comment j'ai appris le niçois, c'est parce que des gens m'ont parlé niçois, c'est ça mi parla française, et à la fille, je suis esta fursa, d'acuma, besoin de parler, j'ai besoin de parler, moi. Et en fait, le fait d'être confronté à des personnes qui ne parlent pas français, tu sais, comme si on se dit on ne parle plus français. Alors, Ouais, ça sûr que, marche voilà, mais si on veut que ça rentre vite, il faut se lancer, et quitte à faire des erreurs, c'est là aussi où moi ça m'a vraiment gonflé, je vais le dire clairement, ça m'a gonflé bien. quand j'ai commencé une partie des militants, on va dire locuteurs, tout ça, parce que chaque fois tu parles, ils te disent non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, ou non, c'est pas comme ça qu'il faut écrire. Bah, à la fin, surtout que il faut quand Bah, même t'as plus envie de savoir, parler après. voilà, il faut quand même savoir que le niçois, il y avait beaucoup d'analphabètes. Que les gens ils parlaient comme ça, et ils n'étaient pas forcément lettrés. Et c'est après, si vraiment tu es passionné, et que tu arrives déjà à parler, que là, ben moi je suis rentrée après dans la grammaire quand même. À un moment, il faut rentrer dans la grammaire aussi.